Mais moi, j'y vais déjà pour confirmer ma foi, pour montrer que je suis croyant et pour être au plus près du Seigneur. Voilà. Une rencontre avec les jeunes catholiques de tout le monde entier. Allez, à toi. Et puis une redécouverte du Christ par l'amitié en fait, avec les autres. Voilà, voir le pape, être unis tous dans la prière à Madrid. Affermir et renouveler notre foi. C'est vraiment pour voir qu'il y a d'autres jeunes comme moi, que je suis pas seule à dire voilà, il y a un Dieu qui existe. Donc voilà, c'est pour vraiment qu'il y a plein d'autres jeunes autour de nous qui sont comme nous, pour dire qu'on n'est pas un monde de fous à côté. Voilà. J'espère avoir la grâce de voir à Madrid, unis autour du Saint-Père, toute la jeunesse catholique, pour que ce soit vraiment un témoignage non seulement pour l'Église, mais aussi pour le monde, que bah, y a une vraie jeunesse dans l'Église qui est prête à suivre le Saint-Père et à suivre le Christ. Les JMJ révèlent la jeunesse de la foi. De voir ces milliers de jeunes qui viennent du monde entier converger vers Madrid, rassemblés autour de Saint-Père, nous permet de découvrir que l'Évangile est fait vraiment pour les jeunes. Il est la mesure des jeunes, la mesure de leur espérance, la mesure de tout ce qu'ils peuvent porter. Puis c'est une expérience qui est fondamentale parce qu'elle nous permet de découvrir, surtout pour les jeunes, le vrai visage de l'Église, dans son universalité. Que l'Église, elle dépasse tel continent, telle représentation qu'on peut en avoir, elle est faite pour tous les hommes et pour tout homme. C'est une expérience d'enthousiasme. Souvent, notre foi est un peu fatiguée et on a besoin de moments de renouveau, de réveil spirituel. Je crois que les IMJ jouent effectivement ce rôle d'un réveil spirituel. On est relancé dans le dynamisme de la foi. On a envie de partager cette foi. On a envie de la célébrer et on a envie que tant d'hommes et d'autres femmes et d'autres jeunes et beaucoup de personnes puissent découvrir ce merveilleux message.